Bonjour, bonsoir plutôt, je suis Franck Martini, je suis responsable intranet chez Gemalto. En fait, j'ai choisi d'aborder le thème de l'intranet 2.0, non pas simplement à travers le prisme de Gemalto, mais en prenant un petit peu de recul aussi par rapport à ce que ça peut vouloir dire, et en repartant d'une citation assez classique qui dit que d'un des fondateurs d'Internet qui disait que le web 2.0, en fait, c'est juste le web tel qu'il aurait dû toujours être. C'est-à-dire, en fait, la capacité, non pas simplement de connecter des gens, mais aussi que les gens puissent échanger entre eux. Et donc, quelque part, au-delà de cette définition, est-ce que, et j'ai un peu chargé au niveau des slides, je vous prie de m'en excuser, est-ce que l'intranet 2.0 et l'entreprise 2.0, c'est pas la communication interne telle que l'aurait dû être depuis le début? La mission de la communication interne chez nous, bien évidemment, c'est, et elle est très classique, et là je ne vais rien vous apprendre en vous disant ça, de retransmettre et de faire participer les salariés, de transmettre les valeurs de l'entreprise, de transmettre les missions, les objectifs de l'entreprise, d'embarquer les salariés dans cette mission et dans ces objectifs. Donc tout ça, c'est bien évidemment la mission de la communication interne, mais... Et comme le disait Marie et les personnes de Danone, on est aujourd'hui dans une communication qui est très top-down, où on a une direction générale qui envoie des messages, ou une communication interne qui envoie des messages. Et quelque part, ces outils d'intranet 2.0, ou ce qu'on appelle aussi d'entreprise 2.0, ça va permettre de lâcher un petit peu ce mode de communication, de décentraliser complètement les outils de contribution aux intranets, que la com interne surtout ne soit plus le vecteur de communication principal. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les acteurs de... Et c'est pas du tout une tentative de pipeau sous quelque forme, c'est de dire que les salariés sont des vecteurs de communication d'entreprise, que ce soit en interne comme en externe. Donc utiliser ces outils, utiliser ces plateformes pour en faire des acteurs et des vecteurs de communication, c'est un des enjeux, en tout cas, de ces nouveaux modes de communication interne. Également aussi, et on le voit à travers l'explosion des organisations, la manière dont les organisations, dont les entreprises évoluent de plus en plus vite et sont de moins en moins hiérarchiques, traditionnelles, mais beaucoup plus explosées et matricielles, on va parler de pair à pair et non plus d'organisation à organisation, en faisant quelque part aussi, à ce moment-là, faire sauter quelques lignes de management, faire sauter quelques verrous, faire sauter quelques habitudes qui étaient historiquement très ancrées dans les entreprises, en particulier les entreprises françaises. Donc en termes d'outils, effectivement, on va parler d'outils collaboratifs, de réseaux sociaux d'entreprise, de pages profil, parce que la page profil, c'est l'endroit où on va venir déclarer ses compétences, où on va venir, comme une page LinkedIn, comme une page Facebook, c'est l'endroit où on va venir se présenter, où on va essayer d'identifier aussi son réseau, où on va identifier l'organisation à laquelle on appartient, quelle est notre contribution à l'intranet, et enfin, sous quelque forme qu'il soit. Donc la page profil, c'est aussi un véritable outil RH, au-delà d'être un outil de communication. Ensuite, la tradition de l'intranet comme étant donc l'outil top-down où la direction ou le service communication va venir diffuser de l'information et choisir le contenu que les salariés vont voir, c'est bien évidemment quelque chose qui aussi évolue, et c'est pour ça qu'on part vers des logiques plus de murs, plus vers des logiques de portail d'entreprise ou de homepage portail, où le salarié va pouvoir customiser sa page comme une page NetVibes, entre guillemets, et avoir le niveau d'information qu'il a envie d'avoir, et de mélanger au passage du personnel, du professionnel et des choses qui auparavant étaient beaucoup plus structurées, beaucoup plus séparées dans le monde de l'entreprise. Après, évidemment, il y a la production de contenu, quelle qu'elle soit. Il y a, en tout cas chez Gemalto, une forte poussée du contenu vidéo. On a très récemment lancé une plateforme vidéo en interne avec 50 vidéos qu'on avait produites depuis environ 2 ans au niveau du service communication, et on s'estimait assez fiers d'avoir produit un aussi beau contenu. J'ai fait le dernier recensement hier, il y a 170 vidéos 6 mois plus tard sur la plateforme.
Donc ce n'est pas des chiffres à la YouTube, bien sûr, mais il y a une vraie production, il y a un vrai besoin de la part des salariés de partager ce contenu, de partager les connaissances, de partager les richesses, de partager le savoir. Donc ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être effectivement à travers des wikis, à travers des blogs, de partager du contenu rédactionnel, mais aussi, et j'ai oublié de le préciser, quelque chose qu'on fait tous et qui est le partage d'informations à travers des liens, à travers une vidéo, à travers un site web, à travers un article, qu'aujourd'hui on ne sait pas catégoriser, qu'on ne sait pas partager, qu'on ne sait pas enrichir. Donc tout simplement, c'est une information qui devient morte. Et donc, bah, ces plateformes sociales, ces plateformes collaboratives, elles ont aussi, et en tout cas la volonté qu'on aura chez Gemalto, c'est de pouvoir partager ce savoir et thésauriser sur ce savoir. Il y a deux risques qui ont déjà été abordés par les différents intervenants. C'est la fracture numérique, entre guillemets, entre les salariés connectés, les salariés non connectés. Donc on y répond par différents moyens, que ça soit des bornes pour les salariés en production, que ça soit parfois aussi par externaliser une partie de la communication interne pour pouvoir toucher des gens qui sont nomades, et en particulier les vendeurs, qui sont absolument inaccessibles en termes de com' interne. L'intranet, ils y vont jamais. Leurs mails, ils sont très peu dessus. Vous envoyez un mail à 250 vendeurs, on l'a fait pas plus tard que lundi. On a envoyé un mail à 250 vendeurs, on a eu 60 bounce de vendeurs en déplacement ou absents. Donc ça vous donne un peu la difficulté, ça vous explique la difficulté de toucher certaines populations comme celle-là. Et toujours en termes de fracture numérique, bah évidemment, il y a ceux qui sont nés avec ces outils, comme la plupart d'entre vous, mais il y a aussi ceux qui les découvrent, et il y a ceux qui sont plus vers une fin de carrière, et qui considèrent à chaque fois qu'il y a un nouvel outil à apprendre, une nouvelle manière de faire, qui est à chaque fois différente, à chaque fois nouvelle, et à chaque fois un peu plus étrangère à leurs habitudes. Et le deuxième risque, au-delà de la fracture numérique, c'est, et ça répond en partie à une question qui a été posée tout à l'heure, on n'a jamais vraiment géré de crise en interne, de crise 2.0 en interne, de crise sociale en interne, avec des outils participatifs et collaboratifs. Et effectivement, même si les gens sont identifiés sur les réseaux d'entreprise, même s'ils sont clairement, si on sait qui dit quoi, et s'il y a une traçabilité, on ne sait pas ce que deviendrait un réseau social d'entreprise lors d'une crise sociale interne forte, période de licenciement, période difficile, quelle qu'elle soit, ou période de crise, même communication de crise externe suite à des problèmes qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a peu ou pas de littérature, il y a peu ou pas de cas qui existent, sachant qu'aujourd'hui, des entreprises qui ont même, avec succès, déployé des procédés d'entreprise 2.0 ou d'intranet 2.0, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, nous, une des manières qu'on a déjà de commencer à travailler sur un de ces deux risques, qui est le gap, qui est l'écart générationnel ou l'écart de pratique, c'est effectivement, et on rejoint Danone qui est très très bon en la matière, c'est en passant par de la formation et de l'accompagnement, et en formant et en informant le plus possible les salariés sur les outils. Alors nous, on est franchement une boîte B2B, donc on n'impacte pas directement, enfin en tout cas on n'agit pas directement avec le consommateur final. Donc nous, on travaille énormément sur des plateformes comme Twitter et comme LinkedIn, plus que sur, par exemple, Facebook, où on est très peu présent. Mais en tout cas, en ce moment même, on lance des sessions d'information et de formation pour les salariés qui le veulent à l'utilisation de LinkedIn et de Twitter, par exemple. Juste un slide que je réutilise très volontiers parce qu'il est vraiment très intéressant. C'est l'idée de dire que un intranet social, c'est une conjonction de trois sphères, et c'est quelque part la conjonction de trois domaines, c'est-à-dire à la fois une partie relationnelle, à la fois une partie équipe, une partie organisationnelle, et aussi une partie perso. Et par partie perso, j'entends non seulement des informations que je vais choisir, mais aussi des contenus qui vont parfois au-delà
de simplement mettre des informations concernant mon expérience professionnelle, mais qui peuvent aller, comme on le retrouve ailleurs, sur des choses que l'on aime, sur les passions, etc. Et en fait, le fait de partager de soi avec son équipe, avec les gens de son équipe, avec les gens de son réseau, et de manière plus générale avec toute l'entreprise, on arrive quelque part à cette dimension sociale d'un intranet. Une très très belle chose sur le papier, mais qui est beaucoup plus difficile à réaliser dans la vraie vie. Chez Gemalto, on en est où, en fait? On est sur le pont, c'est-à-dire qu'on est entre les deux. On est entre la version de la communication traditionnelle et une vision plus 2.0 et totalement décentralisée qu'on a, mais qu'on met en œuvre, et c'est pas forcément simple à mettre en œuvre pour différentes raisons. Donc on a mis en place des pages de profil avec des choses très élaborées pour définir, pour présenter la personne, que ça soit ses informations pratiques comme numéro de téléphone, adresse et compagnie, mais aussi son CV en ligne, mais aussi son organisation, les personnes avec lesquelles cette personne travaille. On vient de mettre en place donc depuis 6 mois une plateforme vidéo où les utilisateurs peuvent uploader du contenu. On est pour l'instant dans une sphère au niveau du contenu très professionnel. On a un intranet classique, structuré selon les grandes familles de la maison, les business lines, les grandes fonctions support, etc. Donc là, il n'y a rien de très, très novateur là-dedans, mais on essaie de le faire évoluer vers de la customisation, je ne parle pas de personnalisation, mais plutôt de customisation, vers du commentaire, vers du rating, vers ces choses-là, vers plus de contributions, quelque chose de plus ouvert. On a aussi lancé une plateforme de blog en interne qui est plutôt segmentée, qui est plutôt dédiée à des domaines matriciels comme l'innovation, comme le marketing, comme parfois certains clients clés particuliers qu'on va utiliser à travers ces blogs. Et on va lancer très prochainement des pilotes de mini réseaux sociaux dédiés à des communautés très spécifiques, parce qu'on a des gens qui sont... La première communauté qui va être impactée, c'est celle des contributeurs de l'intranet, parce que j'estime que c'est plutôt sympa de passer par un principe un peu viral et de remercier les contributeurs qui sont actifs sur l'intranet depuis plusieurs années. On a 400 contributeurs sur l'intranet qui produisent 6000 pages web toute l'année. Je trouve que si on doit faire un pilote de réseau social, tant qu'à faire, autant commencer par eux, parce que ça a été les premiers à sauter dans le wagon à l'époque où c'était pas du tout la mode, on va dire. On a des communautés aussi de gens qui travaillent sur l'organisation d'événements. On a des gens aussi qui travaillent sur le suivi de la compétition et du marché. Et ce sont des gens qui ont énormément d'informations à partager, énormément d'informations à circuler. Donc ce sont des candidats intéressants pour des pilotes et pour voir aussi si la mayonnaise prend, sachant qu'on a à chaque fois des profils très hétérogènes. Et donc en 2012, on veut avancer vers une page portail complètement customisé par le salarié, qui pourra mélanger de l'information interne choisie, la possibilité d'avoir ses liens favoris, etc., mais aussi son mail, ses tâches, de l'information externe, des flux RSS, etc., de façon à ce qu'on vraiment on ait un mini NetVibes, pour parler en termes de solutions en interne. Développer ses pages profils et ne plus se limiter à l'organisation, mais intégrer la notion de réseau. Parce qu'aujourd'hui, si on prend mon simple cas personnel, je fais partie de la communication interne, je fais partie de la division marketing, très bien, super. Sauf que mes contacts principaux, c'est mes 400 contributeurs et les personnes de la DSI avec lesquelles je bosse au quotidien. Et parfois même plus qu'avec bon nombre de mes collègues de la com interne. Donc quelque part, mon réseau, il est presque plus pertinent en ce qui me concerne que mon organisation. Donc intégrer cette logique-là. Et donc avoir une logique de contribution wiki pour pouvoir élargir la contribution sur certains domaines, sur certains sujets, pour que de plus en plus de salariés prennent la main sur la contribution sur l'intranet. Évidemment, à terme, l'idée, c'est d'avoir une véritable plateforme collaborative ou un véritable réseau social d'entreprise. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui n'est pas facile au niveau des salariés, c'est aussi un travail qui n'est pas facile au niveau de la direction. Si on n'a pas une direction qui est fortement embarquée derrière le projet, ça sera très compliqué. Et si on a aussi une direction qui a des réticences à lâcher la main aux contributeurs et aux salariés
et de leur laisser, de les laisser parler ouvertement sur un outil, sur une plateforme collaborative, ben, c'est pas simple. Donc il y a un travail qui nécessite de, il y a un travail de formation et d'accompagnement aussi bien du management quelque part que, de, que vers les salariés. Et donc après, ben pourquoi pas que l'intranet classique disparaisse à terme, et aussi pour recentrer sur le métier de la communication interne, pour finir, ben donner une autre valeur ajoutée au métier de la com interne et lui redonner un vrai rôle de consultant interne, d'accompagnateur des projets de l'entreprise, de facilitateur, de personne qui saura accompagner et donner les bons outils face aux bonnes démarches, aux bons objectifs et aux bonnes cibles. Et passer moins de temps à une fonction top-down corporate que, qui est la fonction traditionnelle de la communication interne. Voilà, en gros. Merci. Je vais juste rajouter un point, parce que tout ça était très intéressant. Je veux mettre l'accent sur quelque chose qui a été évoqué déjà, c'est la formation. Vous voyez, en fait, là, vous êtes un groupe de personnes qui sont plutôt privilégiées parce que plutôt jeunes. Et pour autant, je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas utilisé tous ces outils dont on a parlé aujourd'hui ou sont pas complètement à l'aise avec. Donc, quand il s'agit de génération d'après, ben, c'est encore plus compliqué pour eux. Donc, il faut vraiment les accompagner. Et même dans les entreprises de technologie que j'accompagne, je vois bien en fait que c'est pas simple pour les gens de comprendre tout ça, de comprendre comment ça fonctionne. Il y a aussi un problème d'éducation du management. Alors bien sûr, dans une entreprise comme Gemalto, on a compris en fait que le management est impliqué. S'il n'est pas décisionnaire, s'il n'a pas décidé d'aller dans cette direction-là, c'est même pas la peine d'essayer. Vous n'arriverez strictement à rien. Le management doit être impliqué. Une fois qu'on a mis en place les outils, donc il y a beaucoup d'outils merveilleux qui peuvent être mis en place. Hein, l'exemple de Gemalto ou de Danone sont intéressants. Eh ben, c'est pas pour autant que ça suffit. Il y a un énorme travail d'animation du réseau qui doit être fait pour que les gens, en fait, vraiment, comment dire, s'investissent dans ces outils et que ça finisse par devenir naturel. Et cette animation, en fait, elle nécessite beaucoup de créativité parce que forcément, en fait, c'est pas quelque chose qui est naturel. On est face à des outils nouveaux, des outils qui s'ouvrent aussi. Et j'ai bien aimé, en fait, ce que tu as dit sur le fait que ton réseau à toi, c'est pas forcément le même que celui de l'entreprise. Et on a besoin, en fait, d'aller justement sur des réseaux qui sont étendus. Et ça, ça nécessite la prise de conscience de la part du management, de la part de l'entreprise, que, bah, quelque part, il faut un peu faire tomber les firewalls de l'entreprise, hein, les murs qui ont été mis autour de l'entreprise. On la surprotège, et au bout d'un moment, en fait, bah, on empêche les gens de travailler, tout simplement. Donc les réseaux, c'est bien au-delà en fait de l'entreprise. Et un exemple intéressant, je ne vais pas parler d'exemple auquel j'ai participé. En fait, on a mis en œuvre des réseaux sociaux comme ça à la Caisse des dépôts et consignations. Je peux en même temps vous dire que ce n'est pas facile. On l'a fait en fait chez Groupama aussi et ça prend bien. On aide BNP Paribas, mais il y a un autre cas en fait que je voulais évoquer, c'est celui de SAP. Donc SAP a mis en place en fait une plateforme sociale qui est une plateforme à la fois interne et externe. Alors SAP, on est dans du B2B, hein, on n'est pas dans du B2C, donc on pourrait se dire tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? En fait, ils ont connecté toute la communauté SAP, c'est en fait tous les gens qui utilisent les technologies, qui les intègrent, qui les vendent, etc., au sein d'un même réseau social. Et en fait, bah, ils ont créé énormément de synergies en faisant ça. Énormément d'intérêt pour les utilisateurs d'utiliser en fait cette plateforme et beaucoup de valeur donc pour tout le monde. Donc on voit bien là en fait que s'ils avaient limité leur plateforme sociale à l'interne SAP, ça n'aurait pas eu en fait le même effet et le même effet favorable que le fait de l'ouvrir à l'extérieur. Voilà, c'est juste une petite remarque complémentaire. On va passer à un troisième temps. On a parlé de communication externe, communication interne. Andrew Ningen va vous parler de l'utilisation du Web 2.0 dans tout ce qui est networking professionnel. Merci. Okay, bonsoir à tous. Comme il a dit, je vais parler ce soir des réseaux sociaux et leurs avantages et défis pour le networking professionnel. Donc, c'est un aspect de la communication personnelle plutôt que la communication de l'organisation ou de la société.
Je voudrais commencer avec un petit rappel historique, parce que je trouve étonnante qu'on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux existent depuis 2002. Donc en 2001, on avait zéro. En 2011, on a centaines de réseaux. Et les premiers sont nés en 2002, comme Friendster, LinkedIn en 2003, MySpace en 2004, Viadeo en France en 2004. Mais le networking professionnel vraiment a commencé en 2005-2006, sur grande échelle, et il est devenu indispensable en 2009-2010. Donc on parle d'un monde assez nouveau qui existe depuis moins de 10 ans. Ça veut dire qu'en 2001, on avait zéro réseau social. En 2011, on a plus de 500 sites différents, dont on a Facebook avec 800 millions de comptes, LinkedIn avec 135 millions de comptes, Google Plus avec 40 millions de comptes, etc. Donc c'était un changement énorme qui comporte des avantages et des défis pour tout le monde. Je commence par les avantages. Les avantages importants, à mon avis, sont trois. Tout d'abord, il est plus facile de rester en contact avec les collègues, les copains pour toute la carrière. Il est plus facile de trouver les personnes et il est plus facile d'être trouvé. Il est plus facile de rester en contact parce qu'on a un point de référence constant. Les adresses e-mail changent, mais le profil LinkedIn reste toujours pour toute la carrière. Je me souviens que jusqu'à 2005, c'était assez commun perdre le contact avec un collègue, un copain, parce qu'il a changé de boulot, donc il a changé d'adresse, l'adresse email, l'adresse physique, le portable, toutes les autres coordonnées. Donc, on n'avait pas la possibilité de trouver la personne. Et surtout, s'il y avait un nom commun comme Jean Rossi, c'était facile de perdre contact, absolument. À travers LinkedIn, on reste en contact pour toute la vie, pour toute la carrière, si Jean Rossi a un profil LinkedIn. Il a aussi beaucoup plus facile de trouver les personnes, ou avec leur nom, ou avec leur titre, leur compétence, leur profil, etc. Ça, ce n'était pas possible avant le développement des réseaux sociaux parce qu'on avait moteur de recherche. Google existe depuis 1998, mais avant Google, on avait AltaVista, Lycos, WebCrawler, autres moteurs de recherche. Mais si j'ai recherché John Rossi en 2000 ou 1988, j'ai trouvé peut-être des référents à John Rossi, mais pas une page de profil professionnel. Surtout parce qu'avant le développement des réseaux, peu de personnes ont utilisé leur nom réel. Moi, par exemple, j'ai utilisé YDNA. Laurel Papworth a utilisé le nom Silk Charm, Matthew Inman a utilisé le nom Outmeal, etc. Donc, vous n'avez pas la possibilité de chercher les personnes avec leur nom réel. Mais à travers LinkedIn et Google, ensemble, si vous cherchez Andrew Heineken, vous le trouvez sur LinkedIn et vous avez la possibilité de choisir entre 4 ou 5 personnes différentes, mais avec la photo, avec la fonction pour identifier quelle est la personne que vous cherchez réellement. Le troisième avantage, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être trouvé. À une fois, c'était très difficile, mais aujourd'hui, à travers les profils LinkedIn, si quelqu'un me cherche et assez certain aujourd'hui qu'ils me trouvent, si j'ai un profil LinkedIn. Si vous n'avez pas un profil ou le profil n'est pas complet, alors vous n'êtes pas trouvable facilement. Et ça lie, en effet, le troisième avantage à le premier défi. Je passe maintenant au défi. Alors, les trois défis plus importants de networking professionnel sont tout d'abord que il est extrêmement important maintenant s'occuper de la réputation en ligne. Il faut développer une présence virtuelle très positive et très évidente. Le deuxième défi, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de gérer les réseaux parce que ce sont des réseaux de centaines de personnes. Donc, on a besoin des astuces, des outils et des méthodes pour les gérer bien. Et le troisième défi, c'est la prolifération des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 550 réseaux. Choisir le réseau qui compte est très difficile. Alors, la réputation en ligne. Vous êtes défini aujourd'hui par Google. Si je cherche une personne, normalement, je tape le nom dans le moteur de recherche Google et je vois la réponse.
Si je trouve des choses qui sont neutres ou négatives, ça peut être un problème pour la recherche du travail, pour la recherche des clientes, etc. Si je trouve rien, c'est un autre problème. Donc, il faut avoir une présence sur Google, il faut le vérifier et il faut le gérer. Par exemple, je conseille à tout le monde de faire une recherche Google chaque fois par mois. Il est nécessaire de répéter les recherches parce que Google change son méthode de faire la recherche régulièrement et parce qu'il y a des contenus nouveaux qui sont générés chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Donc, une fois par mois, il est nécessaire de faire une autre recherche. Si vous trouvez des choses négatives sur des sites que vous contrôlez, alors c'est facile. Si, par exemple, je trouve des photos sur mon page Facebook, je peux ou cacher la page ou lever la page. Si, par contre, je trouve des choses négatives ou neutres sur des autres sites, j'ai une autre solution très facile, et c'est de générer des pages importantes pour remplir les premières pages de la recherche Google. Et la manière plus facile pour faire ça, c'est de créer des profils sur des sites comme LinkedIn, Facebook, Google+, qui sont des sites très importants, mais qui sont ouverts à vous. Un article sur le New York Times est aussi important, mais vous n'avez pas la possibilité de faire publier les articles sur les journaux. Mais sur LinkedIn, est ouverte à tout le monde. Donc, c'est une astuce pour remplir la première page avec des choses positives et importantes. Le deuxième défi, c'est comment gérer les réseaux plus grands. Et je vois qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, j'ai 300 contacts qui me connectent à 5 millions de personnes. Alors, pour gérer des réseaux de cette dimension-là, on a besoin des outils et des méthodes et des astuces parce que c'est trop difficile pour le cerveau humain. Nous sommes dimensionnés pour gérer des réseaux de jusqu'à 150 personnes. C'est le numéro de Dunbar, qui est un anthropologue, qui a découvert que chaque personne peut suivre au maximum une relation avec 150 personnes. Pour gérer un réseau plus grand, vous avez besoin de méthodes et de techniques. Il y a plusieurs méthodes, mais la solution plus facile, à mon avis, c'est d'utiliser des sites comme LinkedIn, mais aussi de faire une étude de votre réseau, peut-être 3-4 fois par an, de revoir toute la liste et analyser le réseau. Et le troisième défi, c'est la prolifération des sites de networking. Aujourd'hui, tout le monde, j'espère, a un compte sur LinkedIn, Facebook, mais il y a des autres. Comment savoir quels sont les sites importants pour le futur? En 2002, Friendster, c'était le seul network important avec, je pense, 3 millions de comptes dans le premier mois. Aujourd'hui, Friendster est pratiquement mort. Il existe encore, mais je pense que probablement personne dans la salle utilise Friendster encore aujourd'hui. Friendster a été remplacé par MySpace, et MySpace, aujourd'hui, est oublié. MySpace a été remplacé par Facebook, et Facebook, pour le moment, reste encore le réseau plus important. Mais parmi les nouveaux sites comme Google+, Zerply, Empire Avenue, etc., probablement, il y a le site qui va tuer Facebook un jour. Comment choisir le site important? Ça, c'est une question très intéressante, mais trop difficile. Et pour le moment, beaucoup de personnes utilisent des solutions comme moi de chercher tous les sites nouveaux et de créer un profil pour bloquer le nom. Et pour trouver les sites, j'utilise un autre service qui s'appelle NOEM, qui est un service pour les professionnels de la communication, pour trouver quels sont les sites. Et si vous payez le site NOEM, on peut aussi enregistrer un profil sur tous les sites automatiquement. Moi, je l'utilise seulement pour avoir les noms, et ça, c'est gratuit. Mais c'est une manière pour trouver tous les sites et avoir un profil déjà préparé pour le futur, parce qu'un jour, peut-être, le site plus important du monde sera Zerply. Et moi, j'ai déjà réservé mon nom, Zerply/Andrew Hennigan. J'ai déjà réservé mon nom sur tous les autres sites. Donc, si en futur Facebook fera la fin de MySpace et Friendster, je me suis préparé. Alors, ça, c'était le troisième défi. Et en effet, vous avez aussi des outils pour faire face à tous les défis. Et le premier, à mon avis, c'est d'utiliser un outil pour
parlé avec toutes les sites de networking ensemble, et Hootsuite est mon outil préféré. C'est un site simple, gratuit. Ça permet de gérer les comptes LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter en parallèle sans visiter le site. Mais aujourd'hui, sans peur les personnes qui visitent les sites Twitter, Facebook, etc., parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Il est beaucoup plus facile d'avoir un seul site pour monitorer et envoyer des updates à tous les sites ensemble. Donc, pour faire face à tous les trois défis, un outil comme Hootsuite est indispensable aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres astuces, comme par exemple d'avoir de certaines périodes chaque jour ou chaque semaine pour s'occuper des réseaux, de limiter le temps passé à jouer avec LinkedIn et Facebook, parce qu'il y a la tentation de passer 8 heures par jour à répondre à des questions, etc. Il faut résister les tentations parce que ça c'est un gaspillage de temps, et limiter l'activité de réseautage à les choses qui sont importantes et utiles. Alors, avec ça, nous sommes presque arrivés à la fin. Je voudrais seulement dire qu'en conclusion, les réseaux sociaux ont changé complètement la manière de faire le networking et passé d'une activité qu'on a fait face à face jusqu'en 2005 à une activité qu'aujourd'hui on fait surtout dans le domaine virtuel. Et ça comporte des avantages énormes. Le réseautage aujourd'hui est devenu beaucoup plus facile, mais aussi des défis. Ça veut dire que chaque personne doit apprendre des méthodes, des astuces, des techniques et d'autres choses pour maîtriser la gestion des réseaux. C'est une compétence très importante aujourd'hui, je peux dire peut-être indispensable pour les étudiants, pour les salariés, pour les managers, pour tout le monde. Merci beaucoup.